Bonjour, je suis Benoît, volontaire chez Bloom. Bienvenue à notre série de guides Bloom. À travers ces vidéos, nous expliquons simplement, étape par étape, comment obtenir un Bloom ID, comment inviter vos amis et votre famille, comment ils peuvent accepter votre invitation, et d'autres sujets du même genre. Nous tenterons de garder ces vidéos courtes, ciblées et à haute valeur informative. Sans plus tarder, voici notre guide pour accepter une invitation pour un Bloom ID. Si un ami ou un membre de votre famille vous a invité à rejoindre Bloom, vous allez pouvoir vous créer une identité globale et fédérée. Cette identité sera utilisable dans beaucoup d'endroits et avec de nombreux services. Dans ce guide Bloom, nous allons voir comment accepter une invitation, un aspect clé du staking pair à pair du protocole. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du staking pair à pair, rendez-vous sur bloom.co et cliquez sur le lien dans le pied de page pour lire le livre blanc. Pour accepter une invitation Bloom, vous aurez besoin des éléments suivants. Un Android ou un iOS, une adresse email à associer avec votre Bloom ID pendant la phase de création. Supposons que vous avez ces deux éléments. Vous pouvez ouvrir le message texte ou l'email que vous avez reçu de votre ami. Vous allez cliquer sur le lien « Here », ce qui ouvrira l'App Store sur iOS ou le Play Store sur Android. Cette partie est très simple. Ici, vous allez saisir votre nom et votre adresse email. Vous pourriez être tenté de fournir de fausses informations, mais cela signifierait que vous ne pourriez recevoir l'email de vérification d'adresse et par conséquent vous n'auriez pas accès à votre Bloom ID. De même, vous pourriez ne pas recevoir notre SMS de vérification de votre numéro de téléphone. Ou encore, votre pièce d'identité pourrait ne pas être connue dans la suite du processus. Si vous souhaitez réellement utiliser votre Bloom ID, vous devez fournir des informations correctes dans cette étape. Saisissez vos informations, cliquez « Next » et « Yes ». Pour savoir si votre email a déjà été piraté, vous pouvez vous inscrire sur Radar. Cette transaction va prendre quelques secondes. Et voilà, votre Bloom ID est prêt. Maintenant, vous devez vérifier votre adresse email. Je vais aller de l'avant et vérifier la mienne sur un autre système. Je quitte l'app, puis la relance, et quelques secondes plus tard, c'est fait. Vous pouvez maintenant accéder à l'ensemble de l'offre Bloom sur l'application mobile ou visiter bloom.co/app/signin sur un ordinateur. Lancez le scanner de QR code de l'application mobile, scannez le QR code du navigateur de votre ordinateur et profitez de notre web d'app pour accéder à encore plus de fonctionnalités. Et voilà! C'est tout sur l'acceptation d'une invitation sur la plateforme Bloom. Notre prochaine vidéo expliquera comment voter sur les sondages de la ballot box, les urnes, quand les sondages seront disponibles. N'hésitez pas à visiter notre site bloom.co pour plus d'informations sur notre protocole ou à nous envoyer vos questions par email à support@bloom.co si vous avez besoin d'aide. Merci d'avoir regardé. De la part de toute l'équipe Bloom, vous êtes formidables. À la prochaine fois.